Ça c'est la mort, ça c'est fait. C'est fait. En fait, faut qu'on fasse ça, hein, le truc de nuit. Hein. Va falloir qu'on. En fait, là maintenant, on va souffrir pendant un petit moment. C'est-à-dire, on va dormir et on va partir en exploration nocturne. Mais c'est vrai que ses cheveux, ils sont un peu chelous. Hein. Ils auraient pu être un peu plus bordeaux. Mais ça fait un peu violet, moi j'aime beaucoup. Ça fait comme si c'était la seule. Mais après, ça fait trop comme Lakshya. Mais Lakshya arrête de disparaître, tu casses les couilles. Ça fait un peu trop comme Lakshya. Bon, moi je joue la team des waifus maintenant. Et même la petite, sa couleur elle est stylée, mais c'est pas la meilleure, c'est vrai. Elle est mise en bleu. On va laisser en bleu pour jouer un peu avec elle en bleu, puis on la changera. C'était comment encore? Oh non, elle quand même changer, c'est bien. Y'a que lui que changer, c'est une mauvaise idée. Lui, c'est genre 100% pas possible. Eux, je me suis habitué. Même elle, maintenant, elle est plus rousse, c'est terminé. Hein. C'est ça, ça n'existe plus, madame. C'est votre ancienne vie. Vous serez jamais teinté de cette couleur. Bon, allons-y. Pourquoi je dois réexplorer? Mais non, 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 non. C'est juste pour faire genre, mais il n'y a pas besoin de réexplorer en fait. Et je le fais quand même. Allez, le mont de nuit. Il y a bien comment il bouge ses couettes. Bon là, je louche, touche, touche, touche. Allez, le mont gendarme de la galère. Bon là, je vous préviens, ça va être difficile. Toujours difficile la nuit, les donjons. Bon, il nous faut 5 herbes de clair de lune, mais pas où commencer. Selon Lich, il s'agirait d'herbes luisantes. Cherchons dans les buissons. À vos ordres. Ah oui, c'est vrai, avec cette musique de la guerre. Il m'a pété dessus. Il m'a pété dessus! Mais nique ta race! Il a pété sur Dana, le bâtard! Elle est passée où la fourmi? Niveau 7, 37. Je vais rester ici le singe. Parade. Ça c'est une musique avec laquelle je vais raid, hein. C'est pas possible. T'as l'ultra pour shop de mangue. Par contre elle peut plus faire de double saut. C'est terminé. Elle est venue sans son item craqué. Ça c'est une erreur, hein, Dana. Elle aurait dû venir avec. Tout, tout, tout. Il y a un raccourci par là-bas. Ça marche comment encore la map. On va aller voir le raccourci d'abord. Pas le tronc d'arme. Encore un ennemi? Oui.
Ouais là là là, la poète, ouais. C'est vachement haut. Anti-brûlure. J'adore ce jeu. C'est tellement... En fait... la sensation de puissance est tellement agréable quand tu combats dans ce jeu. Tout, les sons, les attaques, les animations, la parade, tout est tellement agréable à faire, c'est trop trop bien. Le plaisir que ça te procure. Tu sais, c'est satisfying en anglais, je sais pas comment dire. Fait qu'il a le mot... ça c'est ce sentiment de réussir ta vie quand tu les tues tous, c'est trop bien. C'est ces plantes là, hein. Herbe claire de lune, oui. Wow, en plus il y en a plein, c'est parfait. Oh, en plus elle a un dive bomb tellement stylé, la petite. Franchement, le meilleur personnage, même si j'aime beaucoup le gameplay de Dana, ça reste la petite. La petite, elle les met à mal, tous. Personne n'a un gameplay aussi agréable. Elle défonce tout le monde, il n'y a pas une compétence qui est nulle. T'as limite envie de tous les avoir, c'est... Oula! Aïe 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 aïe! Voilà, on va soigner la petite. En fait, maintenant que j'y pense, on est monté tout en haut beaucoup plus vite, c'est ça? On n'aura pas tout visité. Faudra qu'on check après les autres étages. On va peut-être aller voir maintenant. Parce qu'il faut que j'en profite pour refaire un peu le plein de ressources. C'est vrai que ça se casse ça. Alors attends. Là il me faut... il me faut la garde augmentée. Regardez, elle est sur Adol. Merde, je vais mourir. Non, c'est bon. Ah
Aïe. Ouais, ça commence. Faut qu'il descende, il est trop chiant sur ce... Ouais, il est pas... Mais on voit pas bien les attaques qu'il fait parce qu'il est... Il est comme ça. Voilà. Continue avec la garde. La garde. La garde. La garde. Oh, y'a le singe. Damn, j'ai survécu avec 5 PV. Mais d'où il s'est ramené lui? Oh là là, griffe tonnerre, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'où il se ramène à la fête comme ça? Je m'y attendais tellement pas. Des mangues. Ah, oh, je suis content de relooter des mangues, mais... Non, pas le paix. Je crois que là c'est bon. Oui. On a tout fait. Là ça me paraît bon. Pouet 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 pouet. Ces jeux sont tellement agréables. On continue. Salut les gars. Niveau 39 pour l'action. Abandonné, c'est ça? Oh, c'est insane. Tellement bien pour farmer en fait les quêtes de nuit. Ah, ils essaient de parer une fois dans ma vie. Ça s'est mal passé. Quand même faire gaffe, hein.
Putain, mais j'ai essayé de mettre la garde, mais c'est venu tellement vite. Ok, cool. Juste un truc, les techniques elles sont, à part brutalité et ça, il y a tout qui est maxé. Est-ce que je reprendrais pas mon rotation sauvage, c'est quand même bien, mais peut-être à la place de brutalité une fois que ce sera maxé. Ouais, je crois que c'est ça que je vais faire. Oh ouais, putain, ça va être insane. Faut que je fasse rotation sauvage plein de fois. C'est par là. Enfin, plongeons, je crois que quoi. Ok. Non, 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 je veux continuer. Ah ok, faut y aller, d'accord. Il me bloque pas. Joue avec la petite, faut lui mettre au surpoint, hein, faut arrêter. Lâchez madame. Là faut grimper pour le coffre. Nice. Ah les scorpions. Oula. On va sauvegarder. Ça va être compliqué. Qui a le plus gros DPS? Ça va être Dana, hein. Pas une autre aube de je sais pas quoi. Ah, c'est un accessoire. Ah mais si je mets pas ça, ça va être compliqué. Je suis obligé de mettre ça. Et je suis obligé de mettre un saut du guerrier. Et il faut que je mette un truc qui donne beaucoup de PV ici. Il faut que je mette un grand soupe. En fait voilà, les gens qui font vraiment que... Non, ensuite. Ah, 1800 PV. Ça met full vie. Je sauvegarde. Et si ça se passe mal, je charge. Va falloir parer toute sa vie là. Sinon, ça va pas être possible. Là.
J'essaie de... Voilà. Oula. Oula, oula. Oula, oula. Oula. Faut continuer là. Non! Comment j'ai pu mourir alors que j'avais l'invulnérabilité? La barre est pas finie. On voit le jaune. Regardez, entre potions, on voit encore l'éclair de d'invulnérabilité. C'est quoi cette arnaque? T'es censé être invulnérable pendant que t'es en parade. C'est pour ça que j'essaie de... Mais tu peux parer pendant que t'es invulnérable. Du coup, tu peux avoir un loop infini d'invulnérabilité. Mais c'est pas facile. Déjà plus de potions là. C'est bon. Il y en a un qui est passé. Oh mais les PV de l'équipe. On va prendre un repas. On va prendre un repas. On est reparti pour le deuxième. On sauvegarde. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est les petits aussi qui font beaucoup de dégâts. Hein. En fait, dès avant que la garde se finisse, faut que je fuis. Alors là, faut que je fuis déjà, voilà. Faut pas que je joue trop gourmand. Hadouken. Ne bougez, je suis bloqué. Ça passe! Oula, 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 oula! Hadouken! 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 Meurs toi! Voilà, il reste plus que le T-Rex. T-Rex, ça va, le T-Rex, ça va. Je dois te laisser bonne soirée, Tenchi. Nice! Ça passe. Ça passe, ça passe. Et je crois qu'il y a encore deux grottes comme ça. On va peut-être rentrer Regen avant.
T'as un PV, j'ai paré, ça veut rien dire. Quelle technique 3 c'est elle hein. Mais du coup je peux continuer avec elle. Elle est devenue tellement plus stylée maintenant l'attaque. Aïe. Oula, 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 oula. J'étais bloqué parce que j'ai respecté quand je l'ai mis au sol, j'aurais pas dû respecter. Bien vu. Bien vu, bien vu. Elle l'a fini, bien vu. On va changer d'équipe. On va changer d'équipe. Voilà. Équipement. Ah bah tu vois, c'est ça le problème. Ça va être chiant. Du coup, eux ils ont besoin des os. Mais pas un autre. Mettre l'eau 2. Il y a des techniques à monter. Adol il a rien bien entendu. Lui un peu. C'est dur de voir quoi mettre en vrai. Oui, allez, pourquoi pas. Regardez, on a tout fait, il faut juste continuer, c'est ça. Alors qu'on aurait pu prendre la corde, l'échelle en corde là, comme ils disent.
What? Il y a encore une grotte du dessert. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut que je lui mette? L'arme qui régène. Il a quoi en technique? Griffe de tigre, me dis pas que c'est la même que ce que j'ai, je l'ai deux fois maintenant. Oh putain, c'est bien. J'ai mis ma garde. Vraiment cette attaque là elle est dure à garder. Aïe! Arrêtez d'azer! Effectivement, ils sont pas gentils. Hein. Oh là là. Le changement d'équipe qui finit dans le dessert.
Oh la maison. Oui. Oh c'est bon. Y'avait quoi là? What? J'ai jamais fait ça. J'ai rien fait seul. Est-ce qu'il y avait un autre coffre que j'ai raté? 6 coffres sur 10. 48%. Est-ce que c'est la fin si on rentre là? Voyons voir. Non, 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 non. Ok, c'est quitté, c'est la fin. Le truc, c'est que je peux pas préparer des potions pour Rez. C'est des trucs qu'on a déjà fait vu que... Ouais, En vrai, il y a juste monter qui compte. Pour le reste des coffres. Faut continuer à explorer. Aïe. Oula, mais il lâche pas l'affaire. J'ai fait des dégâts après.
C'est passé. Difficilement, toujours dans une galère ultime, mais ça passe. J'ai plus de quoi, faut j'utilise trop d'items pour régénérer, enfin pour ressusciter. Et là c'est juste à côté. D'ailleurs, faut prendre la vraie équipe, hein, celle qui a des compétences à monter. T'as une nouvelle compétence? Lourd ascension. Oh, oh, frappe de base en haut, propulsant en l'air. Cool. On peut mettre ça à la place de bah, vague haute. C'est vague haute, tant mieux, non? Oui, c'est vague haute, tant mieux. Composition. Comme ça plutôt. Oui. Toc non. Ouais, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors qu'est-ce qui sert à quelque chose? C'est vrai qu'elle a plutôt besoin de ça. Elle peut gérer sans le truc. Un autre slot d'inventaire, ce serait bien. En fait, c'est tant qu'on monte des techniques, ça nous bloque un peu. Alors, toujours ça. Oh putain, je suis passé. Ah, mais l'autre il vole! C'est de l'arnaque! Il est passé où le piaf? Oh, Dana elle est motivée. Mais non! Oh merde! Tant pis. On va s'amuser au pire. On va tout taper, 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 taper. Oh, elle est si, elles sont ultra. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Aïe. J'avais pas le bouton screen d'appuyer, je crois que ça. Ah oui, parce qu'en appuyant dessus, j'ai fait l'ultra, du coup mon cerveau était en mode appui plus dessus. Pourquoi il vient pas?
Voilà. J'ai mis la garde. J'ai pris 40 points de dégâts pour rien, ça se faut que je prenne. Ça c'est où? Oh là là, des dégâts tellement ridicules. Il y a un gros. Ah non, ça c'est un petit. Ah putain, il y a un gros. J'aime pas le bruit. Mais... Bon, ça devient compliqué, hein. Oh putain, il est décédé. On va retourner à la maison qui est juste en bas. Donc ici, il y en a 3 qui vont encore jouer dessus. Plus les singes. On va juste faire ça.
Parce que je sais qu'ici il y a un caillou. Voilà. Fais-moi me healer. Voyez rien, monsieur l'arbitre. On voit rien, monsieur l'arbitre, laissez-moi tranquille. Coffre ici. Oh. Ah bah il y a une plante lunaire au moins. Ah, au secours. Oh putain, on a mis un caillou dans la gueule. Barre-toi le raptor. Alors, la zone. Le donjon. 67%, 3 coffres. Je suis même pas sûr d'avoir tout fait. Niveau inférieur, c'est plus ou moins fait. Niveau intermédiaire, plus ou moins fait. Non, il manque les étages supérieurs chelous là. Il reste plein en fait. J'ai déjà plus de popo pour me régénérer, rien. Mais en fait, comment tu fais ce jeu en soi en cauchemar là? Alors que quand tu utilises une potion, tu perds la bouteille avec, tu peux même plus refaire de popo derrière. En fait, tu fais pas quoi. Tu fais pas le jeu, tu le rush. Et tu, puis tu fais les boss avec la garde, mais c'est la difficulté pour faire un speedrun quoi. Oh mon dieu. J'ai des ennemis devant nous. On va jouer avec elle. J'ai l'impression qu'elle peut plus de dégâts, je sais pas pourquoi. Mais sans la griffe du tigre, ça va être difficile de jouer sur la parade. Mais bon, on va essayer. Mais...
Bordel. C'est le bordel. Livre souple, très bien. Vraiment encore une partie supérieure. Ah ouais putain, je m'en rappelle même plus. Oh là là. Je peux même plus me déplacer, c'est terminé. C'est insane. Mais comment ça? Je sais même plus où j'en suis dans le jeu. Il n'y avait pas de sauvegarde auto que je pouvais changer avec les autres personnages, mais j'ai juste pas fait parce que j'avais la flemme. Ah si, mon gendarme 44. Oui, c'est quand je suis arrivé ici. J'ai besoin de faire continuer en fait. Arbre chaleureux, eh ben tu m'en diras des nouvelles hein. Y'a quoi en bas? Mais en bas on retombe tout en bas en fait. Aïe.
Oh là là, c'est insane les dégâts. Ok. Elle est vivante, hein, Dana, oui. Comme ça, elle prend l'XP. Autant de délicatesse hein, dans ce jeu. Ils m'ont caillassé ceux-là. Pourquoi je prends pas les dégâts? Oh, ça me saoule. J'étais sous la hitbox du coup. On est presque à la fin. Tenez bon. Encore deux mecs full vie au cas où. Ok.
Le dernier coffre. Œuf de dodo des montagnes. Oh non, pas le piaf. J'ai mis la garde. Et le piaf est compliqué hein. Ah s'ils ont qu'un PV, ils attaquent pas mes collègues. J'avais oublié ça. C'est une feature de gameplay. Et je l'ai fait tout seul, ça a pris un peu plus de temps mais bon. En 3% collègue 49 sur 55. What? N'importe quoi ça. Ah, peut-être qu'il reste plein d'endroits de collègue encore à faire. Oh oui, il reste plein. Oula. Mais regarde quand même Kadol hein, et ça passe pas. Oh là là, et ça casse les couilles. Même bouton hein. Le gros il a des équipements au moins. Ouais.
Faites de bien. Au moins ça, on fabriquera un plus 2 après. Ah merde, Adol est mort. Ah bon? Pour deux endroits de collègues. On l'a fait. Enfin, il faut croire qu'on l'a fait. Il faisait tellement de dégâts, le donjon était tellement long. 98.2, comment ça? 98.2. Où t'as vu 98.2, s'il te plaît? 10 coffres, 55 sur 53, ouais, je comprends rien si tu veux. On va faire juste le chemin inverse histoire de voir, mais et tout semble avoir été fait. Non, c'est pas celui-là. Par contre les coffres sont tous pris. Ouais. C'est vrai qu'il y a un endroit effectivement et que je comprends pas où est-ce qu'il est. Mais non, ça c'est la partie où il est là au-dessus. Ah non, non, c'est correct.
Mais non, tout a été... Mais what? Je sais pas si c'est buggy ou c'est en moi, mais... On va vérifier, hein. De toute façon, ils repopent les endroits de récolte, du coup ça veut rien dire. Peut-être en tombant ici, mais non, là on meurt juste. Ouais, c'est ça. Prends juste des dégâts. C'est étrange. Ça permet de fermer des ressources en même temps, mais bon. Aucune idée de ça vient. On me dit pas que c'est là. Même pas en fait. Oh si. Ah non, mais pas du tout. Alors, on est juste revenu au début. Perdu. À cause de ça, même pas. Je ne comprends pas. Mais comment j'ai pu rater 2 points de récolte? C'est pas possible, j'ai tout fait. Peut-être dans les cavernes où il y a les T-Rex, mais là... Même pas en fait. Ah, mais c'est le bordel, barrez-vous! Ça me saoulait là. Où est-ce que je ne suis pas allé?
Ok, ça c'est fait. De toute façon, ça c'est pour descendre. Mais purée. Je comprends pas. Je comprends pas où tu l'oublies. Mais putain. Après, si les ennemis nous attaquent vraiment pendant que nous on se balade, compliqué forcément. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Voilà. On peut pas trop se taper avec les T-Rex là. C'est insane. C'est le tour du monde en 80 jours que je fais là. Ah mais ce T-Rex. Oh non, me dis pas que je me fais tuer sur le combo du jump quoi. Je prends le cri et... Oh, c'est pas grave. On va courir avec lui. Qu'est-ce que j'ai raté, franchement. Non, c'est bugué. Je me fais chier que c'est bugué, putain. Ouais, j'ai fait 100%, j'ai fait le tour. Ah oui, parce que là, je suis revenu à la maison. Bon, tant pis, on se bat. C'est vraiment de la merde. Suivant les consignes de Ricotta et ses compagnons, préparèrent à manger. Hein? Non, suivant les consignes de Ricotta, Adol et ses compagnons préparèrent à manger. Putain, je sais plus lire. Ça y est, c'est le point de non-retour. Ils se reposèrent et reprirent des forces autour d'un bon repas. Ah bah purée, courir comme des cons dans cette vallée pour rien, c'est de la merde. Incroyable toutes ces étoiles. On est en train d'halluciner, on est trop fatigué. C'est vraiment magnifique. Ah là là. C'est vrai que c'est impressionnant. La lune apparaît plus grosse aussi. Les lunes. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi dégagé. Je partage ce sentiment. La montagne, le ciel étoilé, tout ça. Cela me rappelle mon enfance, lorsque mon père m'emmenait vers les étoiles. Ah, moi aussi j'ai l'habitude de regarder le ciel. Adol, tu as toujours vécu dans ce décor. Même si nous quittons l'île, cet endroit me sera toujours très cher. C'est l'endroit où mon père m'a appris les émotions. Ah, comment ça? Au début, quand je regardais un joli paysage, je ne ressentais rien. Je ne pensais qu'à chercher et de quoi manger.
Oh. J'ai appris de mon maître comment survivre. Et c'est mon père qui m'a appris tout le reste, la beauté, la joie, les goûts, le goût des bonnes choses. Il m'a transmis tellement d'émotions avec ses mots. La joie de pêcher ensemble, le goût des aliments partagés. La beauté des étoiles, j'étais heureuse d'avoir construit cette maison avec lui. Oh. Je sais qu'il voudrait que je quitte cette île coûte que coûte. Mais j'oublierai jamais les moments passés ici. Toi aussi, tu as un endroit qui te tient à cœur. Compte sur toi pour y emmener la prochaine fois. Je m'en souviendrai. Sur ce, ça va être l'heure de dormir. Il faut qu'on soit d'attaque demain. Alors, Himmel, déjà fatigué? Ah, détends-toi un peu. Il faut profiter de ces rares moments. Il est encore un peu tôt pour s'amuser. C'est quoi qui lui près de sa poche? Ou alors il y a une plante derrière lui? Nous avons fait une promesse à tenir. Nous avons une promesse à tenir alors au travail. Oh, Himmel. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. On va dormir. Quel dommage. On aura qu'à revenir. On aura qu'à revenir, pas vrai, Adol? Ah, j'ai bien dormi. J'en avais vraiment besoin. Merci de nous avoir accueillis chez toi, Ekota. Pas besoin de dire merci. Pour rentrer au village. Ok. Grosse quête. Comment je fais pour voir de nuit du coup? Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée de faire le con tantôt. On retourne au village. On retourne au village naufragé, on va voir ce qui s'y passe. Alors, je peux remettre les plantes au... Ah merde, c'est vrai qu'il est avec Allison. C'est vrai qu'il doit être là-bas. Vous m'avez donc rapporté les herbes claires de lune. Encore désolé de vous avoir mêlé à tout cela. Oh, si tu savais. La vue était splendide. Je vois, Ekota. Oh, vous ayez pris du plaisir. Oh, si tu savais, putain, le gros plaisir. Hein. Je chercherai d'en faire un bon usage. Merci infiniment. L'arme de lune. C'est quoi comme médoc, ça? Dis-moi que ça a revive et que ça m'est full lui. Ah merde. Je peux pas me reposer, je voulais faire des potions, mais maintenant faut aller le voir tout derrière. Résurrection plus ré... Ah voilà, c'est ce que je disais. Muqueuse brillante. Je peux en faire deux, comme ça j'en ai. Pareil bien, pas lâcher, c'est quoi, soigne tous les altérations d'état à bord. Bon. Je crois qu'on a assez... fait d'aventure avec Adol aujourd'hui. Ce donjon en mode nuit m'a épuisé. Je crois que ce sera suffisant. Même largement suffisant pour... ce qu'on a fait aujourd'hui. Oh là là. Next time on continuera. Tantôt, à part si quand je reviens on joue à autre chose. Peut-être. Ça dépendra de quoi. Ouais. Peut-être un peu de Starbound. Sinon rien, parce que demain faut travailler et faut dormir des fois dans la vie. On verra. On verra ce qui me donne envie. Bon, je vais couper ici. Bonne soirée.